par Tadao. Les jours de match, évitez les bouchons et prenez le bus pour aller au stade. Plus d'infos sur tadao.fr. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi Lens-Foot pour démarrer votre soirée. Nous sommes le lundi 24 avril. Lens-Foot, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Hein. Tout ce qui devrait être dit sera dit. L'émission number one sur le Racing Club de Lens. Vous êtes en train de vous connecter. Oula, oula, oula. Oula, là, 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 ça commence là. Où ça monte, où ça grimpe. Brrr. Le compteur s'affiche de plus en plus gros pour les connecter. Alors vous êtes sur Facebook, sur bien évidemment YouTube, Twitch, j'allais dire Twix, rien à voir. Twitch et également Twitter et sur lensois.com. Voilà, il y a Alain qui est là. Bonsoir la team Lensois. Salut Alain, salut à tous. Vous pouvez bien évidemment commenter l'émission, réagir à tout ce que va dire la Dream Team dans quelques instants pour ce débrief en balançant vos commentaires. Et régulièrement, on va voir bien sûr vos commentaires pour prendre la température. Alors, on va accueillir la Dream Team de ce soir. C'est parti. Ah, et ben déjà, le beau gosse, monsieur Franck Quedru. Ça va, Franck? Oh, j'ai failli ouais. Ne pas allumer le micro. Bonsoir à tous, ça va, Cyril? Ça va, et toi, mon poulet? Oh, ça va, tranquille. Tu m'étonnes. Un bon week-end comme ça. C'est clair. On va accueillir. Ah, Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut, mon Sylvain. Salut, les potos. On a qui d'autre? Ah, on a Charles Itange, la légende. Salut à tous. Ça va, mon poteau? Ouais, ça va, c'est cool. Bon, et puis on a également. Alors, hey, le revenant, sans déconner. Alors, lui, Rémi Buzine, de Brut. Salut, mon Rémi. Salut, les gars. Salut à tous et à toutes. Non, mais. Alors, Charles, il est au resto, lui. Alors, lui, il est chez lui, il est peinard, quoi. Je suis en rendez-vous, je suis en plein rendez-vous. Oh, putain, sans déconner. Et t'es au resto, et t'es au restaurant. Je suis sûr que t'es au resto. Bon. Ah, le gars. Je coupe le son, mon Charles, et je te mets le son quand je te lance la parole, parce que là, sinon, avec le bruit derrière, on va mal entendre, ça va pas être très audible pour nos supporters. Et puis, comme ça, tu peux boire un petit coup discretos. Non, mais il est au resto avec qui? S'il est avec madame, madame, elle va gueuler au bout d'un moment. Non, c'est du business. Il est en train de faire du business. Bah ouais. Ah, ça va. C'est du business. Bon, Rémi Buzine, avant de commencer ce débrief, les amis, Rémi Buzine, sans déconner, alors déjà, toi, t'es devenu une star, sans déconner, non mais mondiale, non mais vous rigolez, les gars, Rémi Buzine de Brut, c'est la star de ces dernières semaines, avec tout ce qui s'est passé, les manifs, le mec, il est partout, mais attendez, moi, j'ai même un petit truc. Ça m'a fait rigoler parce que on m'a envoyé des messages en disant « Tiens, regarde Cyril, Rémi, machin. » Alors regardez, non, ça c'est pas ça, ça c'est le classement, les gars. Bah, ça commence bien, la preuve. Regardez, là, vous avez à gauche de l'image un screen de Brut. C'est un supporter qui me l'a envoyé. Donc, c'était lors d'une manif. Donc, Rémi Buzine était en train de faire un live puisqu'il n'arrête pas de couvrir… pour Brut en live tout ce qui s'est passé ces dernières semaines dans les rues à Paris. Et là, regardez en bas. Putain, il est où? En plein live, il y a un supporter qui s'appelle Vincent qui me tag, qui fait « Cyril Jamais, il faut l'immunité pour les cartons rouges pour la fin de saison pour Rémi. C'est le patron. »
D'accord, génial. Et de l'autre, il y a Cédric qui fait, il laisse seulement son avis quand c'est Cyril Jamais qui demande. Merci Rémi Buzine pour ton travail. Sans déconner, j'ai vu de ces trucs des médias internationaux aux États-Unis, en Angleterre. Le mec, il est partout. Hein. Bravo, mon Rémi. Bravo, en tout cas. Merci. En tout cas, on est là pour couvrir l'actu. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez chargé avec toute l'actu sociale et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu, malheureusement, être pas mal présent sur certaines émissions. Mon grand regret, même à Bollard aussi. Mais je suis content de pouvoir être là ce soir. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de messages, même des gens qui me disaient, je sais plus, il y avait un live un soir, ils me disaient, toi, t'es en live, donc du coup, tu seras pas sur l'Ensoute ce soir. Non, malheureusement. Mais je suis content d'y être, ça fait plaisir. Et puis, par exemple, Lens Monaco, j'ai pas pu faire non plus, mais Lens Marseille, je l'espère. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'avoir parmi nous ce soir parce que toi aussi, tu nous avais manqué. Alors, les amis, on va démarrer ce débrief RC Lens AS Monaco avec ceci. Oui ! Oui ! Oui ! Vous la sentez cette odeur de Ligue des Champions? Oui! On a perdu là. Ah mais sans déconner. Eh. Ça va être jouissif, je vous le dis. Ça va être jouissif. Bon. Il faut la charger d'abord, mais c'est beau, hein. On va y aller, mon bonhomme, on va y aller. 23e guichet fermé, c'est parti, on va vers ce débrief. Donc, RC Lens AS Monaco avec toute la Dream Team et avec vous tous en direct pour ce débrief. 23e, donc guichet fermé, info, tiens, de notre Lolo, Laurent Mazur, qui dit que le RC Lens a reçu, écoutez bien, rien que ça déjà, ça calme, la bagatelle de 601 875 supporters depuis le début de saison. Soit déjà le 12e plus haut total de son histoire. Le record de 706 903 de 2002-2003 sera normalement dépassé après Ajaccio et le nouveau devrait avoisiner les 710 000 ou 715 000 personnes. Charles, déjà rien que pour ça, toi qui as connu Bollard, t'imagines un peu, c'est quand même hallucinant, ces chiffres font tourner la tête. Ouais, les chiffres font tourner la tête et c'est vrai que depuis quelques temps, enfin, on a vraiment l'impression que le club est redevenu attractif et que, comme ça a toujours été le cas, que ce soit en première ou en deuxième division, et les supporters répondent toujours présents. Je suis allé, j'étais à Bollard lors du derby et c'est vrai que j'ai trouvé que il se passait quelque chose, non seulement sur le terrain et aussi en dehors, mais là, je pense que il y a la possibilité d'aller jusqu'au bout. J'irai pas trop vite en besogne non plus parce que j'ai fait partie de l'équipe 2007-2008 et avec la défaite à 3 là et c'est vrai que ça a été la fin de quelque chose. Donc en tout cas c'est bien parti pour jouer avec des champions la saison prochaine, mais va falloir s'accrocher parce que la fin de saison risque d'être sera certainement très serrée. On va y revenir. Sylvain. C'est intéressant ce que dit Charles, parce que moi aujourd'hui, depuis Rennes, et l'expression collective dégagée lors de la victoire 1-0 est confirmée à Paris, même à 10 contre 11, est confirmée samedi. Il y a une expression collective, il y a une force collective qui me fait dire que cette équipe, elle va forcément aller décrocher l'Europe. Et cette force collective, pour moi, c'est pas une assurance tout risque, mais ça te donne de la marge. Et j'ai plus le souvenir de l'équipe de 2007-2008, savoir si collectivement sur cette fin de saison elle dégageait quelque chose, parce que c'est non, vrai que le match ça. De 3 il est terrible en fait. Ouais. Non, pas comme ça, clairement. Ou pas. On a vu le scud sortir. Non, en tout cas, non, une chose est sûre, c'est que non, clairement, collectivement, on n'était pas aussi fort que ce groupe-là. Je vous dis honnêtement, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une équipe aussi attrayante à Bollard. Mais la communion avec le public, les joueurs qui sont aussi des joueurs qui arrivent quand même à maturité. Il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe malgré tout. Il se passe quelque chose et je sens qu'ils sont vraiment, vraiment, réellement armés pour aller au bout. J'ai pas envie d'aller trop vite en besogne, mais j'ai aussi envie de m'enflammer en même temps.
Alors, 19e victoire donc de la saison, les amis, à 2 de son record. Sa 14e à domicile, là aussi à 2 de son record. On va regarder le classement. On va, voilà, ça, on ne s'en lasse pas de ce classement. Regardez-moi ça. Le RC Lens compte donc 66 points à 2 longueurs de son record historique. Belle opération, Sylvain, belle opération, parce qu'on met Monaco à 5 points. Désormais, et puis les défaites de Lyon, ouais, et le goal average, donc c'est limite 6 points, comme tu dis, Franck. Et les défaites de Lyon et Rennes envoient presque Lens en Europe. Ouais, c'est-à-dire que là aujourd'hui, si tu comptes bien, tu as 13 points d'avance sur le 6e, qui est la première équipe qui ne sera pas européenne. Il reste 6 matchs, 18 points à prendre. Ça veut dire que si tu gagnes 2 matchs, tu assures, quoi qu'il arrive, la qualification européenne. Donc, les défaites de Rennes et Lyon, elles sont bien pour ça. Tu es quasi européen, ce que tu n'as pas connu depuis 2007. Et après, pour la Ligue des Champions, bah, tu as pris un ascendant sur Monaco. Mais en effet, on l'a dit, il va falloir confirmer. Parce que si tu perds 4 matchs d'ici la fin de la saison, tu risques de ne pas être 3e. Alors, regardez, Franck, le baromètre européen, comme chaque semaine. Bien évidemment, Lens, on est au top. Marseille aussi au top avec leur victoire. Lille, excusez-moi. Ils ont fait, match nul, ça va. Ouais, c'est pas la cata. Ah oui, et d'ailleurs, il y a une petite erreur. On a mis une défaite, tu vois, comme quoi, je sais pas. C'est un lapsus. Lapsus révélateur. Mais c'est un peu comme une défaite, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Rennes a perdu, Monaco a perdu. Donc voilà le baromètre européen. Franck, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce parfum d'Europe, là? Ben moi, je suis content, hein, comme tout le monde, hein, parce que j'étais à Bollard en plus. Donc j'ai assisté à un spectacle. 15 premières minutes, le match était plié parce que j'ai jamais vu Monaco, en fait, dangereux. J'ai vu une équipe, j'ai l'impression que c'était encore plus facile qu'Angers. Ouais, c'est vrai. Alors, sans manquer de respect, mais un petit peu quand même, mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas existé, Monaco. Ouais, il n'y a qu'en fin de match ou quand on a baissé un peu le pied, qu'on a fait quelques changements, tout ça, qu'ils ont eu 2-3 frappes. Mais sinon, Samba, pendant 75 minutes, il n'a rien eu à faire. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Incroyable. On va regarder. Tiens, on vous a préparé. Non, bah, c'est pas tout de suite. On me dit que ça va arriver. On va regarder le calendrier parce qu'on l'avait grosse là. Grosse prod. Rémi, on va regarder dans quelques instants le calendrier de ce sprint final pour les 6 dernières journées restantes. Donc, on le sait, il reste 18 points à prendre. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit tour de table. Vous allez me dire chacun votre tour combien de points. Est-ce qu'on peut mettre le. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut le mettre ou pas? Non, on peut pas le mettre. Ah bah, je sais bien, c'est très bien. c'est de mieux en mieux, je veux dire, c'est de mieux en mieux. Alors, baromètre, on y va. Petite musique de tour de table, s'il vous plaît. T'as pas le programme ou pas des 6 derniers matchs? On va les mettre, les programmes, regarde. Voilà. Ah oui, voilà. Alors, le RC Lens donc va à Toulouse. Regardez-moi ça. Le RC Lens va à Toulouse. On reçoit l'OM, on reçoit Reims. 2 matchs à domicile de suite. Ensuite, on va à Lorient. On reçoit Ajaccio, on va à Auxerre. Vous avez tous les autres derrière. Combien de points, selon vous, le RC Lens va prendre? Et vous nous le dites également en commentaire, vous qui nous regardez, sur les 18 points restants. Rémi, combien de points pour le Racing Club de Lens? 13. Oh, le salaud. 13 pour Rémi. Sylvain Charlet. Allez, 12. 12 pour Sylvain. Charles. Attends, excuse-moi Charles, je t'ai pas mis le micro. Vas-y. 12. 12 également. Et on va terminer avec Franck Quedru. 13 moi aussi. 13 toi ? J'étais en train de compter, ouais. Tu vas gagner une fois à l'extérieur, mais tu vas perdre une fois à l'extérieur. 13 points. Un mot sur ce sprint final pour vous. Quels sont les... À part Marseille, quels sont les pièges là dans ce sprint, Rémi? Tu vois Marseille en piège, toi? Bah non, mais je veux dire en piège. Ah, non, le non. Piège, c'est les 3 déplacements, les mecs qui jouent pour se sauver. Et... Non, pas en piège, je veux dire en match compliqué. Forcément, le choc, la finale avant l'heure avec l'OM. Pareil. Mais les autres, les pièges? Bah, il y a deux matchs compliqués. Lorient et Auxerre. Auxerre, parce que s'ils jouent encore leur maintien, c'est quand même compliqué. C'est une équipe qui est vaillante, qui a repris pas mal d'esprit depuis le début d'année,
qu'ils ont changé avec Christophe Pélissier. Lorient, c'est toujours compliqué de se déplacer là-bas. Et après, Toulouse, j'aurais un petit peu d'optimisme de me dire que quoi qu'il en soit, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent la coupe, ils seront peut-être un peu démobilisés. Donc, on peut jouer un peu sur ça, on peut espérer. En plus, ils n'auront que 3 jours pour récupérer. Et s'ils gagnent, ce sera encore mieux parce qu'ils auront fait la fête pendant tout le week-end. Et ils ne sont pas du tout là-dedans. Donc voilà, après Reims, ils ont l'air un peu plus démobilisés. Marseille, bah, je pense que contre les gros, on est quand même chaud. Donc c'est quand même, je ne vais pas dire un match final là, mais c'est vrai que si on gagne là, on prend l'ascendant et plus que ça. Mais c'est quand même un bon calendrier. Hein. Mais quand tu regardes, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes aussi le calendrier des autres. Hein, tu vois, Monaco, c'est ça. Qui a deux déplacements compliqués à Lyon et à Rennes. Lille qui va voir Monaco et Marseille. Marseille, il y a quand même un calendrier qui n'est pas mauvais quand même. Ouais. Il joue 4 clubs qui sont en bas de tableau. Après, moi, je me dis. Et ils vont à Lens, ils vont à Lille. Ouais, moi, je me dis, Reims et Lorient, ils peuvent être un peu moins mobilisés parce qu'ils ne joueront plus rien. J'espère qu'Auxerre sera maintenu avant la dernière journée. Donc, et Toulouse, c'est pareil, c'est à double tranchant. Soit les mecs sont survoltés parce qu'ils viennent de gagner la Coupe et ils te font un match de dingue parce qu'ils n'ont plus rien à. Enfin, c'est tout ou rien, Toulouse, je pense. Charles, pour une fois, on sera peut-être, si tout se passe bien côté classement d'ici là, on sera peut-être supporter lillois quand Marseille, mais t'es quand sûr. Marseille va aller à Lille. Non, mais, c'est non, sûr. Mais sans déconner. Non, bah non, si, non, bah si, sûr, bah non, si. Non, 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 bah non, je non. sais que ça fait mal au cul, mais oui, mais ah oui. Non. Ah non, c'est compliqué là. Non, mais t'imagines si c'est toujours aussi serré sur cette journée-là, si Lille arrive à taper Marseille et que nous on tape Lorient. Bah, ouais. Merci Lille. Ouais, merci Lille, mais on ne sera pas supporter quand même, faut pas déconner. Non, mais je connais un Lille qui serait content de nous donner la victoire. En gros, qu'est-ce que t'as dit, Franck? Je connais quelqu'un à Lille qui serait content de nous donner la victoire. Qui ça? Qui Un ancien Lensois. Un ancien Lensois aujourd'hui à Lille. Aujourd'hui à Lille? Ouais. Bah qui? Ah, Didier Roudet. Didier Roudet. Ah. Ouais, qui est le bras droit d'Olivier Létang. Bon les amis, maintenant qu'on s'est arrêté sur ce sprint final, on va maintenant je vais vous demander votre j'ai aimé, j'ai pas aimé. Attention, 30 secondes. J'espère que Charles t'as bien préparé ton j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est parti, on va commencer par Franck puisqu'il est à l'écran. Donc j'ai aimé, j'ai pas aimé, la petite musica s'il vous plaît. Là aussi là c'est moi qui dois l'envoyer. Bah voilà, la prod. Non mais je dois tout faire de manière. Il est en grève le producteur ou quoi? Bah il est parti ouais. Sans déconner. Il a pas été payé là, ouais. Il est au prud'homme. Il est au prud'homme. Alors bon, on n'est pas là. Bon bah c'est pas bon, mais moi je mets celle-ci, j'en ai rien à foutre. Allez on y va. 30 secondes, monsieur Franck Queudru, j'ai aimé, j'ai pas aimé sur ce Lens Monaco. Alors j'ai aimé l'entame de match de Lens. J'ai aimé aussi tout le reste en fait. J'ai aimé tout le match. Et j'ai pas aimé. En fait, j'ai rien pas aimé. J'ai tout aimé ce week-end. Donc, j'aime pas. Allez, c'est du grand n'importe quoi, c'est du porte-nawak. Sylvain Charlet, on y va. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Je peux pas te dire ce que j'ai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as bien raison. Non, mais c'est vrai. On y va. Sylvain Charlet. Alors, j'ai aimé, j'ai adoré Loïs Openda. Je trouve que le gars est sur un nuage. Il a mis la misère à Marquinhos dernièrement. Et là, sur la passe décisive, ses deux premiers buts sont top. Alors, la passe décisive, il prend le périph' et il met la misère à Dizazi, je crois. Donc, j'ai adoré Loïs Openda. En revanche, je n'ai pas aimé les feux d'artifice et les fumigènes dans la baraque. Et ça peut être un vrai souci. Et j'espère que la commission discipline sera indulgente avec le Racing. On va en reparler, ça sera le dossier pour terminer ce Lens-Foot, le débrief, le dossier feu d'artifice dans la Marek lors de ce match. On va demander à Charles, c'est parti, j'ai aimé, j'ai pas aimé, 30 secondes mon Charles, c'est à toi. J'ai aimé Openda, j'ai aimé Danso, j'ai aimé Fofana qui a été énorme. Non mais ouais, parce que... Fofana peut-être qu'il ne marque pas beaucoup de buts, mais en tout cas, il a monté le volume. Et là, sur ce match-là, il a été explosif et super bon. La vélocité d'Openda a fait beaucoup de différence, mais dans ce sa qualité de relance, j'ai beaucoup aimé aussi. Et c'est vraiment un joueur qu'il va falloir sceller parce que les prochaines, il ne faut pas qu'il se casse. Hein. Et j'ai pas aimé ? J'ai pas aimé les Monégasques. Allez, mec, t'as bossé, hein.
Ah, ça bosse dur. Ah, là, ça bosse dur. Allez, Rémi Buzyn. Et regarde, le bon élève. Bonne entrecôte, hein, bonne entrecôte. Allez, on y va. Rémi Buzyn, j'ai pas aimé, j'ai aimé. 30 secondes. Alors, j'ai aimé justement l'intensité dans le match. Je cours, je long, extraordinaire. Pour moi, c'est la meilleure prestation du Racing, la plus aboutie depuis le début de saison. Enfin, tout était parfait. Je veux dire, les 15 dernières minutes, obligatoirement, il y a un petit relâchement, mais c'est normal. T'as tellement eu une prestation aussi aboutie que c'est extraordinaire. J'ai pas aimé, comment on peut ne pas aimer quelque chose dans cette soirée-là? Ah ouais. Oh là là. 20 secondes, hein. 20 secondes. J'ai pris le chrono, 20 secondes. Ah, donc t'es en train de me dire que mon chrono, c'est du brin, quoi. Bah ouais. Oui, t'as combien? Bah ouais, c'est du bras, ouais. Et le seul mec qui pense à chronométrer derrière moi, c'est quand même Sylvain Charlet, quoi. Bah ouais, moi l'autre fois on m'a dit t'as fait trop long, donc j'ai mis le chrono, je suis pro. Bon, 30 secondes. Puisque t'es à l'écran, Rémi, je voulais vous lancer là-dessus. Ce match, c'est, on est tous d'accord pour dire, messieurs, que c'est la plus belle prestation de la saison. Franchement, elle est, c'est un sans faute, Rémi. Bah, c'est un sans faute, et puis même c'est une prestation qui est magnifique, extraordinaire. Moi je dirais voilà, l'intensité, les courses à haute intensité, le jeu court, le jeu long, c'est-à-dire cette capacité à se trouver dans les pieds aussi facilement. On a l'impression parfois qu'on était en entraînement, tellement ça jouait rapidement, vraiment des automatismes bien huilés, puis des joueurs qui sont vraiment voilà, bien... voilà, il y avait une petite phase qui avait été compliquée il y a quelques semaines. On voit que tout le monde reprend sa forme, sa force. Et puis aussi le match de Jean Onana qui a été très intéressant aussi. Il faut en parler parce que c'est vrai que quand tu dois remplacer Salis Abdoul-Samed, et on sait que les prestations de Onana n'étaient pas forcément extraordinaires en début de saison. Voilà, donc globalement, franchement, on s'est régalé. Enfin, je l'ai lu sur les réseaux et je le partage aussi. Je pense que ce qu'on a vécu ce week-end à Bollard, ça fera partie des matchs dont on se souviendra pendant quelques années. En tout cas, ça rentre, je pense, dans le top 5, top 10 très facilement de nombreux supporters sur les 15 dernières années. Alors bon, sur les 15 dernières années, c'est pas compliqué parce que au milieu des Lens Châteauroux, Lens Niort ou Arles-Avignon, il y en a eu pas mal, donc il y a de quoi faire, mais c'est quand même fabuleux. Enfin voilà, puis même l'ambiance dans les tribunes aussi, ça a suivi. C'était voilà, on s'en souvient. J'espère qu'il y en a d'autres dont on se souviendra encore plus bientôt. On a Valentin, bah j'ai pas eu le temps, mais Jonathan Lewad qui fait match référence vraiment dingue. Le jeu lensois en face complètement étouffé. Tous les supporters qui nous regardent, les commentaires sont tous dans ce sens-là. CGD qui fait quel coach, merci Monsieur Aize. Franck, pour toi donc soirée parfaite également. Ouais, tout à fait parfaite. Et je vais rebondir aussi parce que j'étais un des premiers à critiquer Onana pour son manque. Quand est rentré tout ça, donc voilà. Là, j'ai trouvé quelqu'un et j'en ai parlé. Je pense aussi que, avec la suspension d'Abdoul-Samed, je pense qu'il s'est préparé toute la semaine à jouer titulaire. Donc, sa semaine était différente, je pense, dans sa préparation mentale. Et donc, je pense que ça fait beaucoup de différence. Mais pour le staff, en fait, il était le symbole de l'équilibre, en fait. Il était le seul joueur qui pouvait vraiment remplacer Abdoul-Samed dans ce poste-là, équilibre attaque-défense. Et moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa sobriété. C'est-à-dire que là, sur ce match-là, j'espère qu'il va confirmer, parce qu'il en aura encore deux, a priori, il est conscient de ce qu'il sait faire et de ce qu'il doit laisser faire aux autres. C'est-à-dire il vient gratter et il donne à Fofana, il donne au créateur et il est là pour ça en fait. C'est le vrai milieu défensif. Un peu comme faisait Makelele quand il était à Chelsea. Voilà. Il faut qu'il reste là-dedans en fait. Et moi, j'aurais tendance à penser que ces entrées un peu timides, elles sont dues à l'absence de compétition. Tu joues pas, tu rentres une fois de temps manque en temps. De rythme. Donc voilà. Après, maintenant, on attend confirmation. On a Valentin qui fait Onana, il a fait le taf, il rassure. Franchement, Charles, t'es du même avis que Valentin ? Ouais, en tout cas, sur ce match-là, il a été très bon. Hein. C'est clair qu'il a récupéré beaucoup de ballons, et puis surtout, il a joué juste, sans pour autant faire trop de fioritures et essayer de projeter parfois. C'est aussi ce qu'on demande pour un joueur à ce poste-là, dans une équipe qui est aussi offensive et qui aime récupérer des ballons hauts. Je trouve qu'il a répondu à une commande et... Ça, par contre, alors certes, Abdoul-Samed reviendra prochainement, mais je pense que c'est bien aussi. Là, en tout cas, il a donné clairement des indications à Franquez qu'il faut compter sur lui. Quoi. On va forcément parler, les copains, de l'homme du match, celui à qui on va payer un café crème, c'est bien évidemment Loïs Openda. Openda en mode lance-roquette.
Ok, d'accord. Ça va, là, ça va. Validé. Validé, merde. Ouais, ça va, merci, ça va. Merci. Oh, hey, les gars, oh. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, excusez-moi. Bon, quatrième doublé en Ligue 1 cette saison, encore du très grand Openda. Rémi, 2 buts et 1 passe. Des 17 buts désormais cette saison. J'ai envie de te demander, où va-t-il s'arrêter, messieurs? Mais où va-t-il s'arrêter, on se demande, non? Le dernier match de championnat. Non, mais il est de plus en plus incroyable, quoi. Le mec, il marche sur l'eau. Non, puis il franchit un cap. Il a eu un début d'année qui était compliqué, un peu comme le Racing. Hein. Il y avait quelques individualités qui étaient en difficulté. Et lui, vraiment, voilà, on sent qu'il y a eu un gros travail psychologique, physique aussi. Hein, parce que je crois que sur les courses à haute intensité, il fait beaucoup plus d'efforts sur le terrain. Il a passé aussi un cap physiquement. On sent dans les duels aussi, c'était son petit péché certaines fois où il a la vitesse, mais parfois physiquement, il se faisait prendre là dans certains duels, il passe devant. Donc c'est exceptionnel. C'est un joueur qui est vraiment en train de franchir un cap et que Francaise est en train de polir parce que voilà, c'est un diamant qui est arrivé, un diamant brut, avec déjà pas mal de qualité parce qu'il avait fait pas mal de choses aux Pays-Bas. Mais là, il est vraiment en train de franchir un cap et on se régale, quoi. Il est étincelant au meilleur moment parce que c'est le sprint final. Il a eu un coup de mou juste après la Coupe du Monde, comme beaucoup. Un peu de déception aussi, donc le temps de se remettre dedans. Je pense que Francaise a été bon aussi de le mettre sur le banc pour le faire récupérer, des émotions, tout ça, de lui redonner un peu le goût de il faut que je fasse un peu plus d'efforts pour regagner ma place. Et là, avec les buts qu'il enchaîne, il a sa place largement. Il a brillé, Sylvain, je t'interromps, il a brillé face à son ancien entraîneur, Philippe Clément. Parce qu'il faut savoir qu'il ne porte pas dans son cœur depuis son passage à Bruges. Donc il avait à cœur, Charles, de battre Philippe Clément, ça c'est une évidence. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce joueur a une qualité forte, très très forte. Et c'est vrai que je trouve en tout cas que il a effectivement progressé depuis le début de saison. Après la Coupe du Monde, il a eu un coup de mou. Alors on voyait qu'il avait quand même, il arrivait à se créer des situations. Il avait beaucoup d'occasions qui ne concrétisaient pas forcément. Mais tu sens que ce mec, dès qu'il touche le ballon, en tout cas, non, même pas quand il touche le ballon, mais quand il fait un appel, il va se passer quelque chose. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Déjà sur ses premières foulées, il est explosif, rapide, endurant et surtout, je reviens encore au match face à Lille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un attaquant faire autant d'appels et parfois ne pas être servi. Et ça, c'est forcément un moment donné où il sera servi, que la confiance sera revenue et il sera décisif. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et on en revient au vrai poste de Sotoka. Ouais. Pour moi. Exactement. Moi, je dis que Flo, il est là dans ce registre-là. Il est, les appels, les déplacements, ils sont coordonnés avec Openda. Ils s'entendent bien. Il y a Franco qui la met dans le couloir, un peu enveloppé dans la course. Et Openda, il a juste à y aller, quoi. Mais c'est incroyable, hein. C'est le jeu dans les couloirs, les appels contre la ligne, dans le demi-espace. Le demi-espace, c'est l'espace intermédiaire, en fait, entre l'axe et, si je ne dis pas de bêtises, entre l'axe et le côté. Et tu vois qu'il se régale, en fait. Il se régale à la fois à demander les ballons, mais aussi à créer des fausses pistes pour ses coéquipiers. En fait, aujourd'hui, pour moi, il fait partie de ces joueurs, enfin, il fait partie des joueurs lensois aujourd'hui qui répètent une symphonie, en fait. C'est un orchestre, moi, c'est un ballet. Moi, quand je les vois évoluer sur le terrain, enchaîner les courses, t'as beau te dire, ils vont me le faire, ça va partir sur le côté, Sotoka, il va jouer là, t'as beau le savoir, ça va tellement vite et c'est tellement bien fait. Alors, vas-y, Rémi, rigole. Non, parce que je sais qu'il doit se casser, Rémi, parce que c'est ça, tu l'entends aller. Alors attends, non, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de me troller à la rédac avec des conneries depuis tout à l'heure. Regardez ce qu'on vient de poser sur mon bureau. Alors, non, mais viens, viens voir. Non, mais regarde, en plus, c'est même pas un supporter de lui, viens voir. Non, mais montre-nous sa teuté là. Viens par ici. Non mais déjà, on voit à l'envers, les gars. Allez, Lola. Voilà ce qui va sortir. Voilà, encore de l'encre gâchée inutilement pour des la planète. Voilà. Merci la planète. Bravo la planète. Merci. Bravo. Dis donc, il y a une folle ambiance chez Brut, hein. Ça rigole. Ouais, on a... ça bosse dur, hein. Je vois ça. Bon, les copains, on a payé un grand café crème à Loïs Openda. J'aimerais quand même qu'on parle de Machado. Quel match
Quel match sur ce couloir, Machado, qui veut... Tiens, je vois Charles, il est en train de faire ça. Vas-y, mon Charles. Non, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Machado. Alors, parfois, il... Bon, c'est vrai que... Non, moi, j'aime beaucoup parce que... Déjà, ça va vite. Techniquement, il est capable d'apporter de bonnes choses quand, en termes de centre et tout, mais... En fait, moi, je pense qu'au lieu d'être capable de trouver le bon équilibre entre la vitesse et la justesse technique, et surtout parfois son positionnement lorsqu'il accompagne les actions, ça, ce n'est que mon point de vue. Je peux me tromper, il y a un latéral gauche de métier là, qui est avec nous ce soir, mais je trouve que, au-delà de ça, c'est vraiment une bonne recrue. C'est vraiment une bonne recrue. Franck. Non, c'est surtout, avant tout, un super défenseur, en fait. C'est pas comme dans beaucoup de clubs, en fait, un mec qui est là pour jouer que les coups offensifs. Il est surtout là quand il est sur l'homme, c'est un chien. Donc, il se met à l'image, tu vois, de son coéquipier qui est juste à côté de lui, qui est Medina. Et tu sais, entre Sud-Américains, je pense qu'il y a, il y a une culture. Il y a une culture, la Grinta, ça s'appelle. Et là, il démontre. Et il fait d'abord son travail défensif. Et après, il est performant en allant de l'avant, comme a dit Charles, il va vite. Il a un bon petit pied gauche, il met des bons petits centres. Donc voilà, c'est un tout. Et là, sur ce match-là, j'ai envie de te dire, tout le monde a été bon. Mais vraiment, tu ne peux pas sortir quelqu'un, à part Openda, qui a fait un match hors norme. Mais sinon, tout le monde a été bon. Adrien Thomasson, tu peux prendre tout le monde. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair que c'était... une vraie équipe, tous aussi bons les uns que les autres. On va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Vous dites un petit peu ce que vous pensez de Machado. Benjamin qui fait Diver en deux matchs. Il a écœuré Monaco, buteur à l'aller et double passeur au retour pour notre Machado. On continue. Donc ça, c'était sur Facebook. Laetitia, Machado a tout simplement été énorme. Vous balancez tous vos commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et Twitch, bien évidemment. Messieurs, on va parler de Fofana. Fofana qui trouve encore la barre à la 44e. Et il va nous en faire combien des barres, Sylvain? Je sais pas combien il en est là. Mais 5 Il y a une petite compilation à voir sur son compte Instagram, justement. Ouais. Ils ont pas mal. Hein. Il y a Strasbourg, il y a Lyon, je crois. Enfin. Et donc, c'était il aurait été bon au challenge téléfoot, lui. Non, mais la frappe, elle est monumentale. Le mouvement, c'est quoi? C'est un 2 contre 1. Il sert de l'appel. Et quand tu le vois frapper, tu te dis, mais le mec met tout, en fait. Il met tout ce qu'il a. Et bam, sur la barre. Et il est dégoûté, je pense. Tu sens sur ces derniers matchs qu'il a envie à nouveau d'être décisif. Et que sur ce coup-là, il le joue bien. Hein. Il joue sa carte perso et il a raison parce qu'à la fin, il joue bien. Tu penses qu'il doit donner, toi? Non, mais en fait, il court tout droit vers le défenseur. En fait, s'il se décale plus sur son pied droit, le défenseur, il aura encore plus le cul entre deux chaises. En fait, il court tout droit vers le but et qu'au dernier moment, il fait crochet pour tirer. Alors que s'il court vers l'extérieur, si le défenseur le suit, il peut glisser au pied qui est tout seul. Ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, si, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est le seul petit truc que j'ai vu sur le match, donc ça va. Ouais, c'est bon. Jérôme. Sur la frappe, il donne tout. Il manque de réussite. C'est magnifique, la frappe. À 5-10 cm, elle est en pleine lucarne et merci. Jérôme qui écrit Fofana, il va nous marquer le but qu'il va nous envoyer en Ligue des Champions, comme ça il mettra tout le monde d'accord. On est tous d'accord déjà. C'est clair. C'est ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Alors là, attention, on va passer au dos du jour, les amis. On ne peut pas ne pas évoquer le sujet du feu d'artifice tiré en Marek pour les 30 ans donc, des KSO. Le match a été arrêté quoi, une bonne minute. Avant de vous entendre, messieurs, déjà j'aimerais savoir un petit peu ce que pensent les supporters là, qui nous regardent. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce feu d'artifice? Vous nous laissez les commentaires, on ira dans quelques minutes faire un petit tour sur ça. Avant, on a posté un sondage sur tous les comptes de Lens-Foot, d'accord, sur tous les réseaux sociaux. On a fait donc un calcul, une moyenne. Voilà ce qui est donc dit pour ce sondage qui va apparaître. Donc le feu d'artifice tiré pendant le match face à Monaco, c'était dingue, 30%.
pas nécessaires, 70%. Avant de vous donner la parole, j'aimerais simplement que Sylvain nous dise que risque le club en termes de sanctions, surtout que tu as des nouvelles un petit peu fraîches parce que tu as eu la commission de ou la Ligue, tu as eu la Ligue au téléphone concernant la commission de discipline. Qu'est-ce qu'il en est ce soir là? Bah, la Ligue devrait évoquer le sujet. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel parce que les membres de la Ligue n'avaient pas encore été sondés ce matin. La Ligue, lundi, hein. Ouais, faut rentrer dans la capitale pour rentrer du week-end. Le sujet sera évoqué en commission de discipline ce mercredi ou le mercredi suivant parce que la commission peut laisser un peu de temps à Lens si le club décide de mener son enquête en interne pour pourquoi pas, par exemple, trouver ceux qui ont allumé les fumigènes et qui ont lancé les feux d'artifice. Je ne sais pas trop ce qui va se passer à Lens. Pour l'instant, c'est difficile de décrypter. Quand tu appelles la com, on te dit qu'on est au courant de rien. Arnaud Pouille, contacté, ne réagit pas, mais ça, c'est assez régulier chez les dirigeants. La bonne note, à l'inverse de clubs comme Marseille et Nice et le Paris Saint-Germain, qui avaient des antécédents, qui avaient entre guillemets des sursis, Lens, sur l'utilisation d'engins pyrotechniques, n'est pas sous le coup d'un sursis. Par exemple, au parc, le bas de la tribune Auteuil était fermé lors de la venue de Lens, mais parce qu'il y avait eu, voilà, il y avait un sursis qui avait… Il y avait des antécédents. Voilà, il y avait des antécédents. Là, ce qui peut jouer à l'avantage du Racing Club de Lens, c'est qu'il n'y a pas d'antécédents. Comprenez qu'on pourrait avoir une sanction avec une amende et du sursis. Mais après, la commission de discipline peut se montrer plus ferme, parce qu'il y a eu quand même un match qui a été arrêté. Et que les images étaient, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant et j'ai trouvé ça nul. C'était beau, mais c'était nul, c'était pas le moment. Donc la commission peut être très sévère et décider de fermer, pourquoi pas, le bas de la tribune Marek lors de la venue de Marseille, lors de la prochaine rencontre. Alors, donc ça, c'était les risques que peut avoir le Racing Club de Lens, en tout cas la tribune Marek, pour ce feu d'artifice. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Tout d'abord, petit tour de table. Vous allez me dire chacun à votre tour. Bah, vous allez répondre, vous aussi, à ce sondage que les supporters ont vu ces derniers jours sur les comptes Lensoute sur les réseaux sociaux. Le feu d'artifice, monsieur Sylvain Charlet, tiré pendant le match face à Monaco. C'était dingue ou pas nécessaire? Pas nécessaire. Franck Quedreux. Dingue, mais mauvais timing. Non. Ah non, réponds non, mieux. Non. C'est... Quoi? Non, non. Ah non, là où l'autre. Ah bah, si, c'est pas si c'est mauvais timing, t'es plus dans le pas nécessaire. Non, c'était dingue alors. Bon, ok, donc tu vas t'expliquer tout à l'heure. Rémi. C'était dingue, mais pas nécessaire de faire. Non. Oh, les mecs, ils se mouillent pas. Arrêtez, oh les gars. C'est la réalité. La réalité, c'est que c'était dingue. Tu vois, c'est, franchement, c'est. Non, mais attends. Mais c'est pas ce qu'on demande, Rémi. Mais non, parce que. Mais non, c'est pas les questions qui sont mal posées, les copains. C'est tout simplement. C'est soit vous dites oui, qu'importe le timing. C'était dingue, on en a pris plein les yeux, bravo. Ok. Soit vous faites partie des gens qui disent c'était pas le moment. C'était oui, on a envie de souhaiter un bon anniversaire aux 30 ans des KSO, mais les gars, faites-le avant, faites-le après, mais pas ouais, pendant ouais. Le match, en sachant que c'est interdit. C'est ça. Alors, si on dit les choses franchement, pas nécessaire à ce moment-là. Pas nécessaire à ce moment-là, c'est sûr que. Voilà. C'est, alors, pendant de le faire à la 30e minute d'un match, clairement, c'est une très mauvaise idée. C'est, voilà. Ça peut couper le rythme. Tu coupes le match en même temps. Ça veut dire que du coup, pendant 2 minutes, tu te retrouves avec le match interrompu. Donc, ça accroît le risque de sanction que si tu le fais avant ou après le match. Là, c'est clair qu'en plus de ça, tu domines totalement ce match et tu permets à ce moment-là de couper le rythme. Du coup, aussi à l'entraîneur monégasque de, on va dire, resserrer tactiquement les choses, de redonner des consignes. Ça coupe ça le rythme. Ça n'a pas servi à grand chose pour Monaco quand même. Ça n'a pas servi à grand chose à Monaco, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise, c'est une très mauvaise idée de le faire à ce moment-là. Maintenant qu'il y ait quelque chose qui soit encadré, qu'on puisse le faire. Enfin, je pense que par exemple, toutes les discussions qui a eu en ce moment avec ça viendra, la Ligue, ça va venir, finale, ça. Avec, ouais. Avec le député Sacha Houillet, où j'ai suivi un peu tout ça, où l'idée c'est que justement on fasse des choses qui soient encadrées avec des fumigènes, des feux d'artifice, etc. C'est très bien, il faut aller vers ça parce que les spectacles pyrotechniques, d'un côté, ils les sanctionnent, mais la Ligue, ils sont aussi très contents de les mettre en bien avant. Évidemment, des, bien évidemment, bien sûr. Publications sur les réseaux sociaux ou même sur Amazon, quand on regarde le match, ils sont très contents d'avoir ces belles images-là. Donc encadrons-le, mais faisons-le à des moments où c'est quand même un peu emportant pendant le match, c'est pas terrible parce que sinon c'est magnifique. Mais bien sûr que c'est magnifique. On a tous. Mais joyeux anniversaire au KSO, bien évidemment. Mais bien sûr, ouais. On a tous envie de voir des fumigènes et tout. Mais il faut que ça soit encadré. Malheureusement, tant que c'est interdit, c'est interdit. Sylvain, avant d'entendre Franck.
Ben, c'est de la bêtise, parce que tu te tires une balle dans le pied. J'ose espérer pour les Lensois que, la commission de discipline sera, sera cool. Heureusement qu'il n'y a pas d'antécédent, donc on peut espérer seulement une amende. Mais imagine, moi j'étais au parc sans le bas d'Auteuil pour la venue de Lens, je peux te dire que l'ambiance au parc n'était pas la même. Et si tu n'as pas le bas de la Marek, une partie de la Marek pour Marseille, tout le monde sera dégoûté. Et moi, j'ai toujours en tête les mots d'un, je crois que c'était un président de la Ligue de football qui disait « Mais moi aussi, je trouve ça joli, les spectacles pyrotechniques. Le tifo d'avant-match, c'est génial, il n'y a pas de souci. Mais moi, aujourd'hui, je suis responsable. Je représente la Ligue. Si quelqu'un dans le stade prend un fumigène ou un feu d'artifice en pleine tête et se retrouve à l'hosto, dans le coma ou je ne sais quoi, on peut envisager le pire, qui est responsable ? La Ligue. Voilà, donc moi j'ai hâte que tout ça soit encadré. Je suis d'accord, c'est génial. Les tifos étaient génial, mais les mecs, vous êtes des teubés. Ce que vous avez fait à la 30e, c'est contre-productif. Ça va contre le club en fait. Et voilà, et vous risquez de tuer l'ambiance lors du match face à Marseille. Ah, c'était beau, hein. Ah ouais, il y avait des beaux bruits. Hein. Moi j'ai écouté sur l'antenne chez nous. Ah, et du bruit, c'était beau, hein. Mais au final, j'espère qu'il n'y aura qu'une sanction financière. Et heureusement que depuis des mois, tout le monde a été exemplaire. Et que donc, il n'y a pas de sursis. Parce que là, le sursis, il aurait sauté. Je pense. Hein. Moi, on me dit, c'est un épiphénomène. Non, ce n'est pas un épiphénomène. Moi, on me dit, ouais, mais dans le stade, personne a critiqué ce truc-là. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, moi, personnellement, je n'étais pas au stade. Justement, vous y étiez. Franck, tu y étais ? Oui. Bon, Sylvain, tu y étais aussi pour France Bleu ? Non, moi, j'étais à Auxerre pour le LOSC. Alors, Franck, parce que... On entend deux sons de cloche. On entend d'un côté, personne n'a rien dit, c'est passé comme une lettre à la poste, ni vu ni connu. Et ensuite, moi j'ai d'autres sons de cloche de supporters qui sont venus me voir sur les réseaux sociaux en disant il y a une grosse partie du stade qui s'est mis à siffler ou pas. Est-ce que c'est vrai ? Non. Ou pas ? Ok, d'accord. Non, comme ça n'a pas sifflé. C'était juste, il y a eu justement une grosse ambiance après ça. Ouais. J'ai envie de te dire, non mais c'est vrai. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé parce que ils étaient dirigés vraiment en l'air. C'était pas sur une tribune. Après, c'est vrai, le timing n'était pas bon. Mais c'est passé. Moi, c'était en face. Bon, au début, c'est impressionnant. Et puis après, voilà. C'est que. Alors, regardez. Je peux pas dire ça. Imagine le mec qui prend le feu d'artifice, il fait n'importe quoi, ça part dans le visage de son voisin. Tu vois, ou un gosse. Moi, j'ai une histoire. C'était pas dangereux ou quoi ? Mais c'est stupide quand même. Moi, j'ai une pote qui était dans le parcage lensois à Lille l'année dernière pour le derby. Elle s'est pris une bombe agricole à 3 mètres d'elle. Elle a perdu l'audition pendant des semaines. Mmh. Ah oui, bah. T'imagines, elle allait au stade avec son gamin. Une bombe agricole ? Bah mais c'est qui a lancé c'est ça ? C'est stupide. Moi, je peux te dire que. Enfin, je me rappelle de ce match-là. Je me rappelle. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que non, en fait. Non. Moi, je suis d'accord pour tout ce qui est encadré. Mais là, quand ça part freestyle, ce n'est pas possible. Regardez. Il y en a un qui n'était pas très content non plus. Hein. C'est M. Franck Hez qui a été interrogé sur le sujet. Je crois qu'il n'y a qu'un endroit pour faire les feux d'artifice et c'est le terrain. Par les joueurs, ce n'est pas dans les tribunes, même s'il y a un anniversaire des 30 ans, donc des KSO, surtout avec le risque que cela comporte, et il y a le risque de couper l'élan que l'on avait aussi. Les supporters sont là pour supporter, pas pour tirer un feu d'artifice dans le stade. Bon, bah Francaise au moins, il a son point de vue, Rémi ? Non mais, d'un point de vue sportif, il a tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça coupe le rythme à un moment où tu domines le match des pieds et des mains et tu casses le rythme pour les joueurs, l'entraîneur peut donner ses consignes derrière, donc non, c'est sûr que le timing il est vraiment catastrophique. Quoi. Et puis en plus oui, le côté dangereux et tout, c'est vrai que c'est pour ça que ça doit être un minimum encadré, etc. J'ai tellement vu de fois des gens... Regardez, Bengal sans qui fait étant artificier, je peux vous assurer que c'est super dangereux. Bon, voilà, moi je suis pas artificier, mais en plus, on est tous d'accord pour dire une chose, c'est qu'on milite tous pour le
les fumigènes et les spectacles pyrotechniques et tout dans les stades. Oui, parce que ça fait partie du spectacle et c'est beau parce que moi, quand je vais dans un stade de foot avec ma famille, avec mes potes, je paye pour un spectacle. Alors, il est sur le terrain, mais il est en dehors du terrain. Il est dans les tribunes et c'est beau. Et on a un temple, le temple des Sangueurs, qui est magnifique avec ses supporters. Mais il faut que ça soit encadré. Donc, la Ligue, bougez-vous un petit peu le huc là et puis mettez en place... Oh, mais c'est en cours, hein. Mais c'est en cours. Mais qu'ils accélèrent un peu, les mecs, ouais, aussi. Ils mettent des années à faire ça, on le sait. Mais là, là, c'est en cours. C'est-à-dire qu'ils ont clairement acté les choses. Et maintenant, il va y avoir des expérimentations. Et entre guillemets, dans les mois qui viennent, ce sera officiel. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Alors oui, je suis d'accord avec toi. On a combien d'années de retard? Alors oui, là, les mecs... Alors, attends, on ne va pas leur dérouler un tapis rouge parce qu'ils se mettent à accélérer au bout de je ne sais combien d'années. C'est le moindre mal, quoi. Donc, accélérer les choses, et puis voilà, et puis au moins que tout soit encadré, comme ça, il n'y aura même plus de questions, il n'y aura plus de dossiers en disant feu d'artifice, pas feu d'artifice. Voilà, ouais, tout sera bien, encadré. Il y a au moins une volonté politique. C'est-à-dire que depuis, on va dire, 10-15 ans, ils étaient tous là à dire oui, on va faire un truc et tout. Là, ils sont allés vraiment, ils sont allés sur le terrain, il y a des députés de plusieurs partis qui sont allés voir ce qui se passe, et là, c'est porté. Enfin, il y a vraiment une idée que ça avance, et donc on aura sûrement des bonnes choses par la suite, parce que c'est le meilleur à faire, encore une fois. La Ligue, ils sont très contents pour mettre en avant la Ligue 1 quand il y a des super trucs à Lens, au Parc ou à Nantes. À Nantes, on se souvient, enfin, alors là, c'était pas la Ligue, mais je crois que c'était en Europa League où il y a des images incroyables du COP nantais. Bah derrière, tout le monde est content de les voir. C'est la promotion aussi du football. Mais si tu peux encadrer tout ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Parce que, bon, moi, dans d'autres circonstances, des fumigènes, des pétards, etc., j'en vois pas mal dans les manifestations aussi. Quand c'est pas géré, quand c'est pas encadré, il y en a qui sont blessés. Donc, si ça peut être à la fois aussi encadré pour faire des choses peut-être même encore plus belles, parce que si tu encadres les choses, tu peux peut-être même faire en sorte que le club peut-être participe, peut-être un peu de budget. Enfin, il y a peut-être des idées à faire en sorte, parce que c'est aussi le rayonnement du club en France et à l'international qui est en jeu là-dessus. Quand tu vas à la Bombonera, je peux dire qu'il y en a. C'est beau, hein. C'est clair. Et je suis pas sûr que ça soit plus encadré qu'ici. Ah, non, je pense pas. Non. C'est clair que c'est pas encadré. C'est pas encadré, non. Ça, c'est pas encadré du tout. Ah bah tiens, le mec, il me met la musique du j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ah mais c'est bon, il est bon. Ah ça y est, il l'a retrouvé. Il me dit, je l'ai retrouvé, mais j'en ai rien à foutre. Sans déconner, un truc de fou. Bon, allez, passez une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Il est quelle heure? 20h24. On se retrouve. Alors, Lance Foot prochain, c'est mercredi. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est ça? Mercredi dans, 3. Ouais, dans 10 jours. Voilà, le lendemain. Le lendemain du match décalé qui a lieu le mardi face à Toulouse. On sera donc là mercredi. Ah, à Toulouse, là. S'il y a moyen, franchement. Qu'est-ce qu'il dit? À Toulouse? Bah, j'aimerais trop. Mais bon. Vas-y, je te prendrai un lit dans ma chambre d'hôtel. Oula. Ouais, oula, je vais te dire. Ça, les gars, ça, c'est en privé. On avait dit en privé tout ça. Ouais, ça va être chaud quand une baraque à frites. Trois, Ali. Allez. Bon, allez, passez une belle soirée. C'est chaud entre journalistes, hein, je peux vous dire ça. Ah, un grand lit. Hein, pas de lit séparé. Allez, mec. Allez. Deux grands lits, la nuit sera longue, attends. Ils vont s'attraper, ils vont se ken. Bon, allez, passez une belle soirée. Moi je pensais qu'on ramenait du monde. Non, vous allez tous les deux, vous allez vous amuser comme des petits fous. Passez une très belle soirée. On se retrouvera donc mercredi, même heure, même endroit. Merci de votre fidélité, merci de parler de Lance Foot un petit peu partout autour de vous. Vous likez l'émission, vous vous abonnez. Et je vous dis à mercredi, allez Lance. Bisous mon Francky. Et au fait, le Charles, on l'a perdu en cours de route, hein. Ouais. Il avait commandé hier. C'est la digestion de l'entrecôte. Ouais. La côte à l'eau, c'était et venait juste d'être servie. Allez, bisous à tous. Merci de nous avoir suivis. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Ciao.